Aujourd'hui, on s'entretient avec Coach Stéphane Rivard, entraîneur-chef des Vulcains de Victoriaville. Coach, comment ça va Pas Très bien, toi, Chuck. Ça va bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous aujourd'hui, très apprécié. Avec plaisir. Coach, comment est-ce que le programme des Vulcains des, euh, à Victoriaville, euh, comment est-ce qu'il se démarque des autres programmes en ce moment euh, Honnêtement, toutes les cégep offrent sensiblement la même chose au niveau du produit, que ce soit encore vraiment académique, préparation physique, même au niveau du football. Il y, a des, il y en a certains qui se démarquent plus au niveau de comment ils le font, qui ont une, une approche différente, si on veut. Nous, on, on voulait y aller plus avec le pourquoi on fait qu'est-ce qu'on fait. Donc, où on est parti au départ, c'est qu'on a, on a défini une culture d'équipe. C'est que c'est un terme à la mode. Là, il y a sûrement plusieurs équipes qui ont. Qui ont établi ça. Mais en fait, nous, notre culture, c'est que tout, c'est le point de départ de tout ce qu'on fait. Donc, que ce soit encore, encore une fois, moment académique, sur le terrain, euh, dans le gym, toute part de notre culture. Donc, c'est vraiment ça, euh, c'est ça la base. Puis ensuite, ben, c'est ce qui définit aussi notre recrutement. Euh, on a deux critères quand on recrute. Première chose, c'est est-ce que tu as les qualités athlétiques de base pour jouer au niveau collégial? Il y, y en a plus qu'ils pensent qu'on pense en fait qu'ils peuvent jouer au niveau collégial, c'est juste eux qui s'arrêtent. Il y en a plusieurs qui ont un bon potentiel et qui s'arrêtent au secondaire. Puis notre deuxième critère en fait c'est est-ce que tu est-ce que tu peux fitter dans notre culture. Sans aller dans les détails, je, je dirais plus tantôt eh, quel genre de joueur on cherche, mais est-ce que tu fites dans notre culture Puis à partir de là, nous notre priorité, on est un cégep humain, on le dit tout le temps, on est, on est axé sur, sur la personne. Puis c'est l'étudiant-athlète qui est au centre de tout ce qu'on fait. Tu sais, moi, je t'attends plein au cégep. Ma job, c'est que toi, tu atteignes tes objectifs, peu importe lesquels. Donc, tu as un rêve. Moi, ma job, c'est que tu l'atteignes et que tu, tu vives ton rêve. Sinon, tu sais, si on rentre un peu plus dans le superficiel, si on veut, euh, à Victoriaville, c'est quand même une petite ville. On n'est pas plus que 50 000. Puis au cégep, c'est un peu comme un campus. Donc, on a le cégep, la résidence, notre terrain. Euh, piscine, piscine intérieure, on euh, a un, un stade intérieur, on a des épiceries juste à côté, des restaurants. Donc, quand tu viens à Victoriaville, tu n'as pas besoin de voiture, tout est prêt, tout est à deux minutes, le centre-ville, le centre d'achat. Donc, c'est vraiment comme un, un campus Puis, ça fait que tu vis, tu vis une expérience, tu veux pas, quand tu viens chez nous. Selon toi, coach, qu'est-ce que les étudiants-athlètes doivent surtout réfléchir afin de faire la, le bon choix de cégep? Euh, c'est une bonne question parce que ça va dépendre de, de chaque personne. Moi, mon, mon opinion, c'est qu'il y en a qui vont prendre une, une décision plus rationnelle, donc basée sur des critères de base qui ont préétablis. Donc, moi, je veux rester près de chez nous. Euh, je veux aller en division 1, 2, 3, peu importe. Donc, il y en a qui ont des critères puis qui vont en plus avec une décision rationnelle. Puis, de l'autre côté, il y en a qui vont un peu trop émotionnels, qui se fient vraiment sur leur feeling. Mais probablement que la bonne réponse se retrouve à quelque part entre les deux. Puis, euh, si tu veux valider, en fait, le feeling, c'est vraiment important. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu sentes que tu es, que es accepté dans, dans, ta, dans ta nouvelle équipe, dans la famille. Mais le, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est pose des questions aux anciens. T'sais, toi, tu viens de pratique ouverte, tu tripes, mais demande aux anciens, aux autres, comment, comment ils l'ont vécu. Ça fait quelques années qu'ils sont là, c'est eux autres qui ont la vraie réponse. Coach, tu es en division 3. Oui. Euh, où penses-tu en être rendu euh, dans la progression de ton équipe vers la conquête d'un championnat? Euh, ouais. moi, je suis, euh, je suis entré en chef depuis 2017. Donc, euh, ça a arrêté ma quatrième année, normalement. Oh. Donc, ça va être l'année prochaine. Alors, on a toujours eu une équipe très compétitive dans, dans la division 3. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui entrent en compte, à savoir si tu vas gagner le championnat ou pas. Je ne pense pas que c'est la manière de fonctionner de dire, on gagne le bol d'or à chaque année, puis c'est ça notre objectif, parce que toutes les équipes professionnelles, MTA, peu importe, ils nous l'ont prouvé que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est pas pour rien que le mot processus est devenu quasiment un cliché, c'est que c'est le même que ça fonctionne. Mais euh, au début de chaque année, tu sais, on évalue notre équipe. Est-ce qu'on est qu a tout, tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout? Il n'y a pas une année qu'on s'est dit, non, cette année, euh, on est en développement, on ne peut pas se rendre jusqu'au bout. Puis, J'aurais un message en fait pour, si tu es un joueur dominant, si tu es un joueur d'impact dans ton équipe présentement, si tu viens dans une équipe comme nous au Vulcan, ben, non seulement tu arrives dans une équipe qui est compétitive, mais tu peux avoir un impact direct sur, sur le succès du programme et peut-être la conquête d'un championnat. Justement, coach, parlons-en des jeunes qui vont joindre à ton équipe euh, en 2021. Ce serait quoi tes besoins les plus criants pour l'équipe? Euh, oui, ben, en fait, la réalité au collégial, c'est que toutes les équipes doivent refaire le plein à chaque année. T'sais, je donne une position, par exemple, les demi-défensifs. On a six bons joueurs présentement. Mais en vrai, les six peuvent starter l'année prochaine. Mais en vrai, l'année prochaine, il y en a plusieurs d'entre eux qui partent. Donc, il ne faut pas que tu arrives dans une équipe qui a un besoin immédiat non plus, parce que peut-être que d'apprendre derrière quelqu'un euh, qui est peut-être meilleur que toi à ce moment-là va faire que tu vas devenir un meilleur joueur. Puis, mais au-delà de ça, les, on cherche surtout des personnes qui fit dans nos culture. Es-tu passionné du foot? Est-ce que tu aimes ça vraiment? Est-ce que, est que, es est que tu es persistant? Est-ce que tu n'abandonnes jamais? As-tu une attitude de gagnant? Ou tu baisses les bras? Est-ce que tu comprends vraiment c'est quoi une équipe? C'est quoi le concept d'une équipe? Ou tu es plus une personne selfish? puis Une fois qu'on a les bonnes personnes, ben on sait qu'on a, euh, a les ressources, on a le coaching staff, on a tout qu ce qu'il faut pour les développer au maximum. Si je devais nommer une position, probablement que tous les Cégeps ont nommé la même position, c'est des joueurs de ligne offensive. Euh, tu sais, quand je parlais des gars qui, qui arrêtent peut-être au secondaire, ben souvent c'est des joueurs de ligne offensive parce qu'ils parce que regardent la NFL, les gars font 6 pieds 5, 300 livres, puis ils pensent que c'est sûr que ça prend pour jouer loin, mais en vrai, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une chef NFL dans notre équipe, on a besoin de quelqu'un qui est solide, puis qui est, qui est travaillant. Puis, qui va aider, qui va travailler avec les, les, les quatre autres sur la ligne pour avoir un bon ring game, une bonne passe plot puis nous aider à, à faire des points. Coach, un jeune qui va commencer sa carrière avec vous autres l'année prochaine, à quoi qu il peut s'attendre comme rôle euh, dans l'équipe? Euh, encore une fois, c'est très, très variable. C'est sûr que ça dépend, tu sais, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de ton talent, ça dépend de ta capacité à apprendre un nouveau playbook. Mm -hmm. Ça dépend. Est-ce que tu t'investis déjà? Est-ce que tu t'investis déjà à partir du mois de, de janvier-février aux pratiques ouvertes? Est-ce que tu es déjà là tout le temps? Est-ce que tu poses des questions à ton coach? Parce que c'est quand même un sept mois que tu peux progresser et arriver pratiquement comme un vétéran à, au Kandawu en fait. Puis, sinon, si tu fais l'équipe, il n'y a personne qui fait l'équipe qui n'a aucun rôle. Ou qu'on voit pas un potentiel à quelque part de lui. On va pas garder un joueur pour garder un joueur parce qu'on veut être gentil. T'sais, on va te trouver un rôle que ce soit en third down à defense. C'est un gars qui a du speed, qui est linebacker, qui comprend pas trop le, le playbook pour commencer. Ben, on va te faire, on te faire de partout. Puis ça va être ça ton rôle. Mais si, si tu as qu'est-ce qu'il faut pour jouer collégial, on va te trouver un rôle le plus vite possible. Puis on a un super bon coordonnateur des unités spéciales. Puis les gars trouvent ça important, les unités spéciales. Ceux qui veulent aller à l'universitaire, ben c'est par là oui. que ça passe. Donc, tu vois un rôle à quelque part. Puis, ça dépend de toi, en fait. Coach, si tu avais le droit de t'adresser à un groupe de jeunes en quatrième secondaire, euh, qui ne ils sont évidemment pas convoités euh, encore, oui. euh, qu'est-ce qui est la chose numéro un que tu aimerais qu'ils comprennent ou qu'ils sachent en rentrant en secondaire 5 l'année prochaine? Euh, si as un gars de 100 à 4, euh, regarde d'abord qu'est-ce qu que ce serait tes lacunes, qu'est-ce qui ferait que tu n'irais pas jouer au niveau collégial. Est-ce que si tu as de la difficulté, de la difficulté à l'école, peut-être que mettre un peu plus de sérieux dans tes cours, c'est une bonne idée. Si tu as des mauvaises habitudes de vie, tu t'es jamais entraîné de ta vie, ben c'est peut-être le temps de commencer à prendre ces habitudes-là. Parce que le jour que tu commences à t'entraîner, tu n'auras pas de résultats tout de suite, ça va prendre du temps. Fait que, ouais. Si tu commences au collégial, tu ne seras peut-être pas prêt avant ta deuxième, troisième année. Euh, en fait, c'est le même dans tout. Donc, c'est quoi tes lacunes? Si tu n'es pas sûr c'est quoi tes lacunes à toi, demande à ton coach actuel. Je pense que c'est lui qui est mieux placé pour te le dire. Puis au final, nous, nous, on va parler, on va parler à ton coach actuel. Donc, tu ne pourras pas te cacher. Puis, euh, c'est sûr que tu ne pourras pas te cacher avec ça. Coach, ça fait déjà quelques temps que vous êtes sur la plateforme de Nexus Sport Selon toi, quel est l'avantage numéro un du service à date? Euh, l'avantage numéro un, en fait, c'est que c'est fait principalement pour les étudiants. athlètes. Je pense que c'est eux, c'est eux les jeunes, c'est eux qu'on veut aider avec tout ça. C'est eux qui vont trouver la meilleure place pour eux, peu importe le qui est Cégep. Je pense qu'on est 30 Cégep maintenant dans le réseau. Yes. Donc, c'est mieux pour eux. Puis aussi, veut, veut pas, ça nous aide, nous, de notre côté, à, à trouver des prospects qu'on n'aurait peut-être pas vu jouer, surtout dans cette année. Cette année spéciale qu'on n'a pas vu jouer grand monde. Donc, euh, je pense que c'est un plus pour tout le monde. Puis, j'espère, j'espère que ça va continuer à progresser. J'aurais un message, en fait, pour ceux, ceux qui sont inscrits, sur, les joueurs qui se sont inscrits sur le site. T'sais, plus que tu mets d'informations précises, mm -hmm. plus que ça nous aide, nous. T'sais, si j'ai 10 online qui n'ont pas mis leur poids, ils n'ont pas mis leur grandeur, ils n'ont pas mis en quoi ils veulent aller, ils n'ont pas de photos, lequel se démarque dans les 10 je ne sais pas. Donc, mets le plus de, de détails possible si tu veux te ramasser à la meilleure place pour toi. Ouais, le dernier message, en fait, au niveau du choix de cégep, ce que tu peux faire, c'est vas-y par élimination. Donc, si toi, tu as trop de cégep, tu ne sais pas où tu veux aller, tu as 10 offres, mais vas-y par élimination. Peut-être que, peut que tu m'écoutes présentement, puis ma face ne revient pas. Donc, élimine-moi. Peut-être qu'il y a un cégep qui est à 3 heures. Demande-toi vraiment, est-ce que trois heures, c'est réaliste de faire ça tout le temps? Est-ce que tu vas t'ennuyer de ta mère, en fait? Puis, euh, dernière chose, nous aussi, nous aussi, on fait la même chose. T'sais, je parlais de mettre le plus de, de, de détails possible dans ton profil sur Nexus. Mais nous aussi, on y va par élimination. Donc, si on a deux gars à talent égal, mais que ton coach il dit que ce gars-là, il n'est pas sûr, bien, le gars le plus fiable, c'est lui qu'on va prendre. Donc, on utilise un peu le même principe d'élimination de notre côté parce que veut, veut pas. T'sais, on a 55, 55 places dans notre équipe. Mm -hmm. On a plusieurs vétérans. Donc, à chaque année, on cherche peut-être 20 nouveaux joueurs. Il faut quand même être sélectif. On ne peut pas prendre euh, n'importe qui. Coach Rivard, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi.